C'est Kounia, sélection brésilienne de football, yo, gain problème. Et ceci, c'est pas seulement sélection qui est capable d'affecter par situation ça, c'est football là en général dans le pays Brésil, y compris club. Dans le moment où on a parlé à la Confédération brésilienne de football là, li sans président. Et c'est le comité en général qui joue une révocation par une décision de la justice. Depuis un bon bout de temps, il y a un torchon qui a boulé en dans la Confédération brésilienne de football là. Ça t'est venu mener à la destitution de Rogério Caboclo dans la tête confédération comme président dans l'année 2021 qui t'a gagné une accusation harcèlement sexuel qui t'est tombé sous dol. Yo t'a pris nommé en août 2021 Edinaldo Rodriguez comme président par intérim pour terminer mandat Rogério Caboclo qui t'a fini en avril 2023 et puis organiser élection pour élire nouveau membre dans la tête confédération brésilienne de football. Pendant Edinaldo Rodriguez a assumé la présidence par intérim en mars 2022, li joint un accord avec le ministère public dans Rio de Janeiro qui permet de modifier quelques bagailles dans la règle électorale là qui pourrait faciliter Edinaldo Rodriguez Cunha porter tête comme candidat et ceci candidat unique côté de pral élu président Confédération brésilienne de football pour un mandat 4 ans. C'est à cause ça tribunal supérieur de justice sportive dans Rio de Janeiro remettait en question qui fait décider à l'unanimité révoquer tout membre qui était fait partie comité ça dans tête Confédération brésilienne de football. Kounya là, qui conséquence ça a gagné sous sélection brésilienne de football yo et même sous football là en général dans le pays Brésil. Si problème ça pas résoudre à l'amiable, si on t'a quitté c'est FIFA qui vient mettre bouche dans cause là, si on pas dégagé pour résoudre problème ça dans tête Confédération, eh bien FIFA lui-même, il a pris une grosse décision contre football là dans pays Brésil côté que il a quand même interdit Brésil participer dans des compétitions internationales. Pas oublier en 2024, nous pourrons gagner Copa América, en 2026, nous pourrons gagner Coupe du monde et sans oublier Fluminense qui c'est un club dans pays Brésil qui sont champion Copa Libertadores qui qualifié pour aller participer dans Coupe du monde des clubs. Ça veut dire si FIFA t'avait prend une décision pour interdit Brésil ou bien football là dans pays Brésil participer dans quelque compétition internationale, non seulement sélection brésilienne n'est capable de payer conséquences là et club ça tout qui c'est Fluminense qui a une qualification pour participer dans Coupe du monde de club est capable de payer conséquences là très grave. N'apraplo c'est président tribunal supérieur de justice sportive là José Perdis qui a assumé la présidence dans tête Confédération brésilienne de football là, il gagne seulement 30 jours pour organiser élection pour élire un nouveau comité dans tête Confédération brésilienne de football.